première révolution féministe dans le monde. Quel est le slogan de cette révolution? Femme, vie, liberté. Alors, moi, je demande à toutes les femmes et à tous les hommes féministes d'être la voix des Iraniens. Ils demandent simplement la liberté. C'est tout. Et c'est une révolution qui va réussir, mais on a besoin d'aide des Occidentaux pour être non seulement la voix, mais prendre des décisions politiques fortes de nous aider. Ils ont gazé 5000 écolières dans les écoles. Ils ont fermé les écoles. Ils ont envoyé des boules de gaz empoisonner ces écoles. Pourquoi? Parce que les écolières étaient très, très actives dans les manifestations. Ils ont déchiré dans les classes les photos de Ali Khamenei et de Ayatollah Khamenei. Ils ont fait droit d'honneur à leurs photos. Ils ont sorti des écoles, ils ont protesté et ils ont dit, ils ont enlevé leur voile. Et ce qui est très, très beau, et que je veux dire que c'est pas vraiment les Iraniens sont comme les femmes ici présentes dans la salle. Ce qui est très très beau à mon avis, c'est que les hommes aussi ont accompagné ces femmes. Par exemple, pour les écolières, les écoliers, ils ont décidé de ne pas aller à l'école. Alors ils se sont en photo et ils ont dit que jusqu'à ce que les filles ne vont pas à l'école, on va pas à l'école non plus, et ils ont dit filles égale garçon. Bon.